à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à cette grenouille orange qui a un souci de boîte de vitesse. Allez, c'est parti. Donc, je viens déjà de la positionner sur une chandelle pour que bah, justement le châssis bouge pas trop. Normalement, donc sur cette bestiole, donc on a un souci de boîte de vitesse. La boîte de vitesse ne fonctionne pas, donc je vais devoir l'ouvrir. Je l'ai déjà ouverte, j'ai changé le kit pompe. Malheureusement, apparemment, d'après renseignement, ce n'est pas le bon kit pompe que j'ai acheté. Donc bah, je l'ai, comme qui dirait, dans le... Voilà. Donc du coup, je vais redémonter cette boîte de vitesse. Je vais essayer de faire un micmac entre les anciens pistons et la nouvelle pompe. Enfin, je vais essayer de faire un micmac un petit peu parce que ça marchait avec l'ancienne pompe, mais le problème c'est que bah, une fois chaude, elle ne marchait plus. Donc je vais essayer de, voilà, avec les deux kits, essayer de refaire quelque chose, de refaire fonctionner cette boîte de vitesse, du moins pour me faciliter le déplacement de cette tondeuse, cette faucheuse AF Motor. Parce que je vais avoir besoin de la déplacer pas mal de fois ces prochains mois, sans forcément m'en servir, mais juste la déplacer. Donc il faut qu'elle roule. Donc en attendant de trouver peut-être une boîte de vitesse complète, si je peux essayer de faire en sorte qu'elle tourne, ce serait vraiment un gain de temps. Donc je vais démonter tout ça. Donc j'ai déjà... commencer par la mettre en vidange. En voyant, hop, on fout partout. Elle est pleine d'huile. Ah bon? Ah. On va essayer sur le différentiel. Ah bah si, c'est bon, ça coule. Bon bah on va laisser ça en vidange, on revient dans une. Bon, je vous filme un petit peu tout ça. Donc cette usine à gaz, non, clairement c'est un système un petit peu complexe mais qui est quand même assez simple. Donc vous voyez, là actuellement c'est plutôt libre. Donc en fait ce système de chaîne, ce n'est pas le système de transmission puisque en soi les arbres de boîte, vous voyez, les sorties de boîte sont là, les arbres de boîte sont directement reliés sur les moyeux de roue arrière. Les chaînes à quoi elles servent? Elles servent tout simplement, vous voyez, là, ici, on a un mécanisme avec un disque et un roulement. Et en fait, ce mécanisme, il sert tout simplement au blocage de différentiel. Donc en fait, quand vous mettez ça, ça permet aux deux roues de la boîte de vitesse de tourner à la même vitesse. C'est tout simplement pour vous aider à sortir en cas de trou ou quelque chose, ou si les roues sont bloquées. Ça vous permet de, voilà, de vous dégager de la situation dans laquelle vous êtes assez facilement. Ça marche plutôt pas trop mal, pour l'avoir quand même essayé malgré son problème de boîte de vitesse. Ça marche quand même. Et normalement, je n'ai pas besoin de déposer tout ce système-là. Je l'avais démonté sur mon premier démontage. Je crois que j'ai gardé des extraits que j'avais filmés avec le portable, parce que j'étais en plein milieu des ballots de paille. Enfin, c'était un peu la merde. Bon bah voilà, après 1h30 de démontage, la vlanfa là, c'est une galère cette merde. Bon, en fait, une galère oui et non, puisque AS Motor ont quand même bien conçu le truc.
C'est que là, t'avais deux tôles de chaque côté avec les chaînes qui venaient se clipser là sur les... Si elle n'était pas ici encore. Ça commence à faire un petit moment que je laisse celle-ci et qu'elle traîne. Donc, enfin bon, il n'y a pas lieu de démonter tout ça, tout le mécanisme. Normalement, j'ai juste à démonter les plaques du bas. Ah, si. Non, je peux pas les sortir. Je vais être obligé de les enlever. Ouais. Ou alors d'enlever les moyeux. Mais les moyeux, j'en avais chié pour les enlever. J'avais graissé ça quand j'avais pu, mais je crois qu'à mon avis, je vais me faire chier. Enfin bon, je vais continuer un petit peu à démonter. Elle a quasiment fini sa vidange, apparemment. Donc, bon, je vais continuer à démonter tout ça. Sortie, hop. Donc c'est une boîte de vitesse Tough Torque type K46 modèle AM pour S Motor. Voilà, c'est une 7A64. Voilà, donc bon, j'ai un peu les axes qui sont un peu bavurés sur les bords, c'est pour ça que j'en ai chié pour sortir les moyeux de chaque côté, parce que je me disais merde, c'est rentré tout plus facilement. Donc voilà, et moi, faut que je regarde ce qui se passe là-dessous, là-dedans. Donc, je sais pas si ça fera un sujet de vidéo, parce que je suis pas professionnel du tout de la boîte hydrostatique. Donc, plutôt que de dire de la merde, je préfère rien dire du tout. Donc, je vous ferai sûrement un reportage photo à ce niveau-là. Et la dernière, quand j'avais essayé de purger la boîte, oui voilà c'est ça. Ah ouais, vous entendez? Il y a le roulement qui grogne là-dedans, donc il y a un roulement à changer. Donc, je vais démonter la poulie en même temps, comme ça je vais pouvoir commander. Hop, ça avait filé. Ouais, là, il y a la courroie, elle a fumé un petit peu. Bon, ça c'est pas méchant, mais bon. Bon, c'est plutôt propre là-dessous quand même. Hein. Le moteur, j'ai fait déjà toute sa révision. Donc au niveau moteur, il n'y a rien à faire. C'est un Brix 17 chevaux. Enfin bon, voilà. Donc je pense que ça fera un autre sujet de vidéo, un sujet de vidéo à part. Là, va rester un moment comme ça. Donc je vais rassembler tout. Je vais tout glisser en dessous.
Je vais laisser ça, j'ai démonté un peu dans chaque cage de roue, j'ai mis un peu les vis qui vont avec, machin, etc. Faut que j'essaie de retrouver une petite agrafe rapide parce que je l'ai pété de l'autre côté et je pense que c'est pas la bonne technique que j'ai pour démonter tout ça. En métal, tout ça. Là. Donc après, il y aurait besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Mais déjà, je voudrais vraiment m'occuper de son cas. Vous voyez, les filtres, tout ça, tout était neuf. J'ai tout changé, la batterie aussi. Il faudrait peut-être que je la démonte d'ailleurs. Éviter qu'elle s'esquinte. Bon, normalement, elle devrait pas bouger, mais bon, je préfère quand même me méfier. Donc enfin, bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Ça va être une vidéo très courte, à mon avis. Mais bon, voilà, du coup, il faut que je redémonte. Juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais changé la dernière fois. C'est cette pièce-là que j'ai changée. Mais je vais essayer de voir ce qui se passe, pourquoi je n'arrive pas à la faire marcher. J'avais changé, vous voyez, les paliers avec les pistons, parce que bah, tout était un petit peu, on voit, c'est marqué. Donc il faudra que j'essaye de, avec les pistons que j'ai dedans, voir si j'arrive pas, enfin avec les pistons neufs, si je peux pas essayer de réparer, enfin vous voyez, faire un micmac dedans, faire un micmac avec ça. Et puis, enfin bon, là j'ai dû un peu de taf là-dessus. Enfin bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Quand je disais que le roulement a explosé, c'est qu'il a vraiment fait exploser. Bon, et ben hop, une panne à régler en plus.